Jean-Claude Secondet, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour. Vous allez bien ? Parfait. Oui, non seulement il faut je vais mieux, bien, voilà, mais ça va mieux. Aller encore mieux après l'émission. Voilà. Ah bon, bah alors, j'imagine. À vos côtés, on va partir, cher Jean-Claude Secondet, au bord de la mer. Au bord de l'eau. Voilà, tout simplement. D'abord au bord de la mer, et ensuite au bord des lacs. Ah. Alors, au bord de la mer, je vais vous parler du plasma de Quinton. Le plasma de Quinton, c'est de l'eau de mer que l'on peut boire. On va arriver à régénérer nos cellules, on va retrouver de la forme, on va le trouver... Le coup de fouet par excellence, ah vous oui, allez c'est voir. Bon pour la peau, c'est bon de la tête aux pieds, au bord de la mer. Avec vous, ensuite, voilà. Jean-Claude Secondet, alors là, le plasma marin, l'hypertonique notamment, c'est le remède coup de fouet par excellence, et la nature est encore là, très bien faite. Ah, écoutez, c'est extraordinaire parce que... il n'y a aucune contre-indication. Voilà. Ce que vient de dire Sylvie tout à l'heure, c'était ça aussi. C'est, il n'y a aucune contre-indication. C'est vraiment de l'eau de mer. Il n'y a rien d'autre. La production est facile. C'est un génie. Monsieur Quinton. Biologiste. Qui est un biologiste. Voilà. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui était payé pour trouver quelque chose. C'était un observateur, c'est un empirique. Ce biologiste, pharmacien, a... s'est trouvé découvert dans une période... Voilà. Oui, c'est parce qu'il est né quand même en 1866, il est mort en 1925. Ça veut dire que là où il a donné tout ce qu'il pouvait donner, c'est pendant l'avant-dernière guerre, 1914-1918. Voilà. Là, ça a été très très fort parce qu'il y avait des enfants qui mouraient à la fois de malnutrition et également de choléra. Et il n'y avait rien à cette époque-là pour traiter les problèmes de choléra et surtout aussi les biberons des bébés provoquaient ce qu'on appelle des diarrhées vertes. Ça venait de l'intérieur des biberons qui étaient sculptés, etc. Le lait était mal lavé. Enfin, les enfants mouraient. Bon. Et Quinton a fait cette observation. C'était d'abord avec des animaux. Il a pris des chiens qui étaient malades, il les a traités avec... D'ailleurs, son propre chien. Son propre chien. Voilà. Hein, c'est ça. Hein. Il l'a vidé complètement. Il l'a vidé. Il a vidé de tout son sang. D'accord. Plus de sang. Ouais. Il lui a réinjecté ce fameux plasma, parce qu'il y existe deux sortes de plasma marin. Un qui contient exactement notre sang, c'est-à-dire 9 grammes de sel par litre, c'est ce que nous avons. Vous voyez, c'est le produit naturel qui se rapproche, c'est la copie parfaitement conforme de notre vous sang. Vous avez tous les sels minéraux, les acides aminés, etc. Tout ce que nous avons dans le sang se retrouve en même proportion dans ce plasma, dans l'eau de mer aussi. Mais l'inconvénient de l'eau de mer, parce que je le dis pour les téléspectateurs quand même, il ne faut pas aller boire de l'eau de mer comme ça. Non, vous allez voir. N'allez pas boire la tasse. Voilà, n'allez pas boire la tasse, ça ne vous apportera pas grand-chose. Parce qu'il y a quand même trop de sel d'abord. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sortes, je vais vous montrer, ça sera plus parlant. Vous avez cette ampoule qui est très transparente, très très claire, ça c'est ce qu'on appelle l'isotonique, c'est-à-dire l'eau de mer est rapportée à ce que nous avons dans le sang. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait en gros 30 grammes de sel, il n'y a que 9 grammes, parce que c'est coupé et filtré, mais c'est coupé avec une autre source. D'accord. Une autre source très 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 courante. Celui-ci qui est beaucoup plus foncé, d'abord l'ampoule est foncée, C'est l'hypertonique. Il y a l'hypertonique. Alors ça, cette hypertonique, je crois que tous ceux qui se bourrent de vitamines de synthèse n'ont rien compris, et ceux qui les conseillent non plus. Parce que si on veut vraiment retrouver la pêche, comme on dit communément, et immédiate, dans des délais très courts, c'est-à-dire sur quelques heures ou quelques jours, c'est d'en prendre minimum une par jour, c'est vraiment le minimum quand on... On peut aller jusqu'à combien ? 4 6 par jour sans problème. Voilà, pour la cure active. Voilà. C'est-à-dire ce qu'il faut savoir, c'est que concentré. Une boîte pleine de Quinton, une boîte pleine, ne représente pas plus de sel que ce que vous consommez en 24 ou 48 heures. Comme ça, dans une alimentation normale. Donc jamais personne ne va boire ça. Alors, vous conseillez par exemple l'isotonique, c'est pour qui ? L'hypertonique, c'est pour qui ? Bon, l'hypertonique, on comprend, c'est pour... Oui, par exemple, pour les sportifs. Oui. Les sportifs perdent beaucoup de sels minéraux. Un sportif perd des sels minéraux, des acides aminés, des vitamines. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils vont dans les toilettes des vestiaires, ils boivent l'eau qui est amenée de la ville, et alors ils se rechargent sur le plan hydrique, mais pas en qualité nutritive. Ouais. Donc les sportifs qui transpirent, et un sportif en principe ça transpire, c'est de prendre de l'hypertonique, d'en prendre 2 ou 3 avant la compétition ou l'entraînement, et d'en prendre 2 ou 3
dans les heures qui suivent et surtout dans les jours qui vont suivre. Là, si on ressent par exemple une fatigue physique, un peu psychique, ça a été la rentrée, c'est une période un petit peu délicate, octobre, novembre, décembre, etc. Ouais. On est un peu fatigué, ça vaut aussi pour, si on n'est pas de grands sportifs. Bien sûr, mais entre 2 et 4 par jour, sans problème. Voilà, sous-blingual, sous la langue. Alors, ça n'a pas d'importance. Il y a quand même une condition. Pure, il ne faut pas la mettre dans de l'eau. Ah, d'accord. Non, parce que si vous la mettez dans de l'eau, vous faites de l'hypertonique un isotonique. Ah, d'accord. D'accord. Oui, d'accord. Alors, donc, on casse l'ampoule directement, on absorbe. Si on le garde sous la langue, c'est très bien. Si on n'absorbe pas, de toute façon, les études cliniques démontrent qu'en 30 minutes, c'est passé dans la circulation. L'isotonique, l'autre, c'est pour pourquoi ? L'isotonique, alors là, les diarrhées estivales. Les gastro-entérites des enfants. Je peux vous dire que dans les écoles, en ce moment... Bien. C'est vrai que ça marche bien, ça. Ah, oui. L'eau de mer, écoutez, c'est... Enfin, excusez-moi. Non, j'ai toujours donné ça à la... Parce que, pour l'instant, c'est fabriqué en Espagne, mais jusqu'aux années 1980, on en trouvait dans les boutiques de diététique, dans les pharmacies, on en trouvait partout en France. Ça valait 3 fois rien. Moi, j'ai mes enfants qui m'ont reproché de ne jamais être arrêté, de toujours aller à l'école, parce qu'à chaque fois qu'ils avaient un début de douleur intestinale, je leur donnais 2-3 ampoules. Donc les autres avaient 5 jours avec un petit mot du médecin comme quoi ils n'allaient pas à l'école. Moi, ils allaient à l'école à cause, ils en veulent beaucoup à Quinton, parce que à cause de Quinton, ouais, comme on se place, ils n'ont jamais eu de gastro-entérite. Alors, il faut savoir que l'isotonique, Quinton l'injectait, lui. Et en sous-cutané, en intraveineuse, etc. Aujourd'hui, la législation européenne l'interdit. Mais les ampoules sont les mêmes que faisait Quinton. Hein. Alors, on va résumer. Finalement, plasma marin, c'est copie conforme de notre plasma sanguin. Et oui, c'est surtout le concentré par excellence d'oligo-éléments minéraux. Je crois qu'il y a plus de 63... Il y a 90 oligo-éléments. Voilà, à l'intérieur. Mais il faut savoir qu'on peut l'utiliser aussi en pulvérisation sur des plaies, ouais, sur le psoriasis, sur de l'eczéma. Il existe des présentoirs exprès pour en injecter dans le nez, mais sinon, on prend l'ampoule, un petit compte-goutte et on en met dans le nez. Ça nettoie très très bien et parfaitement les sinus. Vous le disiez à juste titre, parfois, hop, on est fatigué, on va tout de suite chez le médecin acheter la vitamine C, sauf que vous savez, dans le corps, on le dit souvent, c'est comme le puzzle. Si on n'a pas les oligo-éléments, les minéraux, on ne pourra jamais fixer cette vitamine C. Et finalement, donc c'est de l'argent vraiment jeté par les fenêtres. Voilà, aussi, hein. Voilà, mais bon, on peut aller chez le médecin, il faut qu'il vive aussi, vous savez. Bon, oui, d'accord, mais bon, ce que je veux dire, si on n'a pas toutes les pièces du puzzle, on ne peut pas avoir le puzzle fini, à savoir la santé. Mais tous mes amis médecins me disent qu'ils préfèrent soigner des vraies maladies que d'avoir des gens qui viennent en disant j'ai le nez qui coule, j'ai la gorge qui râpe, etc. Pour eux, faire autant de médecine pour en arriver là, c'est un peu gênant. Oui, alors ça, vrai, ça fait partie de l'automédication dont on nous parle beaucoup. Aujourd'hui, les autorités nous disent faites de l'automédication, parce que c'est facile, et puis ça coûte rien à la collectivité, et c'est toujours efficace.